Préparez-vous à me regarder construire une autre pièce fantastique de Gabi et la maison magique. Gabi et la maison magique formidable, à 6 pièces où Gabi et les Gabiches jouent. Aujourd'hui, je reçois Plurusée pendant que je construis l'artisanat de bébé boîte pièces. On y va, il est temps de se faire tout petit. Comme toujours, je commence par les murs et le sol de la pièce. Les murs sont blancs et les sols sont en bois. C'est dans l'atelier que vous trouverez généralement bébé boîte en train de bricoler. Elle y vit avec ses frères boîte et maman boîte. C'est une grande famille de bébé boîte. Heureusement que la salle de travail a une tonne de rangement. Ces cubes colorés en forme de chat offrent à chacun un endroit où ranger ses affaires. Il y a des boîtes en forme de chat tout autour de la pièce qui s'insèrent parfaitement dans les compartiments. Sur le mur du fond se trouve une longue table jaune où bébé boîte range de nombreuses fournitures de bricolage. Place pour tous les objets de bébé boîte. Il y a des étagères sur le mur où l'on trouve des pots de peinture, de la ficelle et des rubans. Bébé boîte s'assure toujours d'avoir tous les matériaux différents pour le bricolage. Il y a même un tableau en liège pour faire des travaux manuels. J'aurai besoin d'une feuille de liège et de boutons colorés pour décorer la bordure. Ce tableau en liège est encore plus fantastique avec ses oreilles de chat violette. Bébé boîte, Gabi et Pandy ont déjà fait des chapeaux bizarres sur des bâtons avec du papier de bricolage. L'atelier dispose d'une station de papier avec de gros rouleaux de papier, si bien que Gabi et ses amis sont toujours prêts pour une activité de bricolage. L'étagère formidable au-dessus des rouleaux de papier est munie d'oreilles et elle comporte des pots de peinture. On ne sait jamais qui se cache dans ces tiroirs. Bien sûr, il y a une grande table, donc il y a de la place pour tout le monde. Des chaises fantastiques. À
Passons maintenant à la réalisation de quelques pandastiques. Décoration. Une branche d'arbre sort du mur de l'atelier et est enveloppée d'un fil arc-en-ciel. Tout le plafond de la pièce est recouvert de ficelles pompons. Ces ficelles pop-up sont une décoration adorable. Et bébé boîte adore les utiliser pour se mettre en action. Maintenant que ces vignes sont suspendues, Fente Artistique Pièce Pandastique est prête à accueillir des jeux. Je dois désormais ajouter l'atelier à ma propre Gabi et la maison magique. Et toutes les pièces sont terminées. Mais je n'ai pas encore terminé. Il y a encore beaucoup de choses à réaliser sur cette maison de poupée. Jetez un coup d'œil à toutes les autres pièces que j'ai créées et rendez-vous la prochaine fois pour me voir construire le reste de cette maison magique fantastique.